Donc vous êtes Jacques Renoir. Oui, c'est vrai. Vous êtes l'arrière-petit-fils de Pierre-Auguste Renoir et le neveu de Jean Renoir et le petit-fils de Pierre Renoir. J'ai bien résumé ? Parfait, c'est tout à fait ça. Avant de commencer notre discussion sur le livre et le film, je voudrais qu'on parle de vous. Parce que vous êtes aussi un vrai Renoir, cela veut dire un homme de talent. Vous êtes un photographe, vous avez travaillé comme assistant avec le commandant Cousteau. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que là, ça risque d'être un petit peu long. Mais disons que j'ai mon parcours, effectivement, voilà, à la fois de cinéaste, de technicien et de réalisateur. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai une grand-mère russe, vous savez. J'ai une grand-mère russe. De Pierre était mariée avec Vera Sergine, qui était d'origine russe. Et quand j'étais petit, elle me chantait des chansons russes, vous voyez. Вы немножко говорите по-русски? Non, je ne sais pas. Какой поживаете? До свидания. Извините. C'est à peu près, ça s'arrête là. Vous voyez, c'est pauvre. Alors, vous avez fait le livre Le tableau amoureux, qui était la base pour le scénario, que le scénario du film a été tiré de ce livre. Tout à fait. Tout à fait. À l'exception faite que le film prend qu'une part du livre, c'est-à-dire sur une période courte, qui a un an, tandis que mon livre se déroule sur toute une période de 1913 à 1919. Mais le choix du réalisateur a été de cibler, de faire un huis clos sur quelques personnages. Renoir, son modèle, Jean, c'est-à-dire Coco, essentiellement. Voilà. Donc c'est une sorte de huis clos dans la propriété familiale avec les doutes, la conception du travail de Renoir, avec le conflit amoureux qui oppose Jean et son jeune frère, Coco, avec Auguste Renoir qui est certainement épris de ce modèle mais ne peut pas se le manifester autrement qu'en peignant. Où est-ce que vous avez puisé vos informations? Quelles étaient vos sources? Vous avez fait des recherches? Mes sources ont été multiples. D'une part, énormément a été écrit sur Auguste Renoir et sur Jean. Bien sûr, je suis allé puiser là. D'autre part, j'ai connu bien Jean Renoir et j'ai bien connu Coco. J'ai moins connu mon grand-père parce qu'il est mort en 1952. J'étais enfant. Donc il y a aussi des sources familiales. Et puis j'ai vécu dans les lieux que je décris. Donc... Quels sont les épisodes qui ne sont pas entrés dans le film et qui sont très représentatifs de cette famille Renoir qui était la vôtre, hein? Vous verrez par vous-même, mais je pense que le film repose beaucoup sur la qualité d'interprétation de Michel Bouquet. En premier, qui est remarquable. La lumière est belle, et il fallait effectivement un travail de grand directeur de la photographie pour pouvoir traduire l'influence qu'a la lumière sur l'œuvre de Renoir. Donc ce film est, sur le plan esthétique, parfaitement réussi. Qu'est-ce que cela veut dire s'appeler Renoir? Qu'est-ce que ça veut dire s'appeler Renoir? À la fois une fierté, bien sûr, à la fois aussi un handicap, à la fois aussi de supporter des comparaisons, à la fois aussi d'être essayé à la hauteur, à la fois aussi ça a brisé ma carrière. Moi, je rêvais d'être gangster, de braquer des banques. Je ne peux pas avec un nom pareil, vous me retrouverez tout de suite. C'est sûr. Vous voyez, c'est pas possible. Pas possible. Et
est-ce que vous avez de souvenirs liés avec la maison de Champagne ici? Oui, bien sûr, je venais régulièrement ici à Essoin et c'est toujours été un bonheur. Je retrouvais mon père l'été ici. Mon père était séparé de ma mère, donc vous voyez, c'était toujours un peu compliqué. Et je venais à Essoin et j'ai des merveilleux souvenirs d'adolescents, d'enfants ici, dans cette maison où habite ma sœur à présent et qui est devenue et qui va devenir aussi la propriété de la ville d'Essoin. Et d'ailleurs, Essoin a fait énormément pour entretenir et mettre en valeur la présence de Renoir et de sa famille et le parcours Renoir qu'ils ont créé du côté des Renoir est très très juste et très émouvant. Est-ce qu'il y avait de particulier dans cette région, la lumière, les couleurs? Il y a une lumière ici merveilleuse à Essoin. Il y a des douceurs de lumière que l'on n'a pas dans le sud. Le sud, c'est la lumière est très dure l'été. Donc l'été, Renoir n'aimait pas rester dans le midi, il venait à Essoin parce qu'il trouvait une lumière plus douce. Par contre, l'hiver, il trouvait cette lumière, cette douceur de la lumière dans le sud de la France. Donc il a navigué entre ces deux demeures et pour des raisons aussi de santé, mais aussi pour des raisons de la recherche de cette lumière. Усадьба Ренуара, Весуа, дорога, которая ведет к его ателье. Дом был куплен в 1887 году. Thank you.
могила Пьера Огюста Ренуара и его двух сыновей, Жана Ренуара и Пьера Ренуара.